C'est un accord historique, consigné aujourd'hui 4 confédérations syndicales et 2 organisations patronales. Un accord qui prévoit que dans le centre touristique de Marseille, les magasins pourront dorénavant ouvrir le dimanche, ce qui donnera lieu à des compensations pour les salariés. Les patrons ont décidé de se faire entendre. C'est le bon moment. Entre les deux tours des présidentielles, le président de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône donne ses priorités dont il souhaite que les candidats s'inspirent. Si on veut redresser la France, il faut s'appuyer sur l'entreprise. Donc c'est la compétitivité, je vous l'ai dit. Donc la baisse des charges salariales pour redonner le pouvoir d'achat, patronal pour pouvoir donner de la compétitivité, donc pour pouvoir donner un avantage aux entreprises françaises, pour donc produire plus en France, pour donc créer de l'emploi ici, pour développer de l'économie, clairement. Et je crois que si on arrive, et nous on en appelle à une mesure simple, pour que celui qui soit élu, dans les premiers jours de mai, pour pas dire le 7 mai, il prenne un message fort, c'est un message de compétitivité, c'est-à-dire financement de la protection sociale, autrement que sur le travail uniquement, maintien des acquis sociaux bien sûr, mais financement autrement, et donc diminution des charges salariales, diminution des charges patronales, les deux gagnants-gagnants, c'est la seule solution pour relancer l'économie de ce pays. L'atout majeur de ce label, c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise a besoin de jeunes employables. Le but de la Place Pro, c'est que les entreprises trouvent les collaborateurs dont ils ont besoin et que les personnes qui sont en recherche d'emploi trouvent l'entreprise appropriée à leurs compétences. Explique bien ce que ça veut dire, accélérer le développement du business, accélérateur de business. Oh, 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 I got a love that keeps me waiting.